السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. شهيد وشهادة برتغالي في حق الجزائر والشعب الجزائري، تابعوا معنا هذا الفيديو. جو 1 دان بورتوغي اون الجيري. Franchement, je sais pas par quoi commencer. Tout d'abord, je suis arrivé dans un aéroport d'Alger d'une qualité de construction. Je peux te dire de quoi je parle parce que je suis portugais. Vraiment magnifique, propre, tout neuf l'aéroport. Deuxièmement, n'est pas dans ce pays en fait, c'est mieux. Faut pas venir dans ce pays. Parce que si t'aimes pas les gens trop gentils, trop accueillants, qui veulent t'aider, qui sont sympathiques, tu seras pas bien. Petite anecdote, je vais dans une boulangerie. Déjà, je goûte un pain que j'ai jamais goûté ailleurs. Un pain avec des graines de sésame. Franchement, super bon le pain. Puis après, mon beau-père, il me conseille de prendre un genre de pain brioché avec de la crème blanche à l'intérieur. Moi, je pensais qu'il y avait écrit Foda, tu vois. Je pensais que ça s'appelait comme ça, ce genre de pain brioché. Alors qu'en fait, non, c'était 70 DA. Apparemment, c'est 70 dinars. Donc, il me l'a fait comprendre, mon beau-père. Donc, bon, ça commence mal. Mais bon, je m'en fous. Maintenant, je vais appeler comme ça. Le pain, il s'appelle Foda pour moi maintenant. Donc, c'est carré. On va l'appeler comme ça. Du coup, après, on se dirige pour aller goûter des pizzas à l'algérienne. Comment te dire, ça n'a pas du tout le même goût que les goûts des pizzas françaises que tu trouves dans les restaurants. C'est un autre goût et franchement, c'est pas mauvais. Franchement, les gens, faut venir en Algérie parce que moi, ça fait 10 ans que je suis marié avec ma femme et elle me disait à chaque fois, viens on y va, viens on y va. Et moi, j'écoutais trop les gens qui me disaient, ouais, faut pas y aller, c'est pas top. Mais c'est totalement faux. Franchement, c'est un pays magnifique. Pour l'instant, franchement, mon premier jour, j'ai rien à dire. Parti chez la famille de ma femme. Franchement, des gens simples, sympathiques, accueillants. Merci déjà.